et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine et Hugo. Et aujourd'hui on va s'écouter quelques morceaux de l'album du beatmaker, ingé son, producteur Mike Dean. Ingénieur son, exactement, Mike Dean. Putain, qui est né à Houston. Qui est né à Houston, qui a fait ses armes chez Rap-A-Lot. Rap-A-Lot. Ouais, exactement. Donc en vrai, bon, lui c'est un ancien, hein. Il a énormément travaillé avec les Kanye, Travis Scott, Kid Cudi. D'ailleurs, en live, il participe au concert en tant que claviériste, ouais, pour ces artistes-là. Mais tu sais que moi, j'avais découvert par inadvertance qu'il avait produit sur un album du Dog Pound en 2001. Ah oui, c'est pas étonnant. Ah oui. Le mec a une carrière... Ouais, mais... C'est phénoménal, en vrai. Ouais. Et la longévité est ouf. Fils de Dorothy Dean, qui était une actrice afro-américaine. Ça, j'avais pas du tout, tu vois. Ok, il est métisse. Ouais. Attends, ah ouais, ok. On dirait pas, tu vois. Ah bah non. Et du coup, ouais, ça, je savais pas. Donc, actrice, réalisatrice. Très intéressant d'avoir eu ce truc-là. Il sort 4/23. Et en 2020, il sort son premier album instrumental 4/20. Et ensuite en 2021, donc 4/21. Okay. Il y a 4/22 et 4/23. Là, apparemment, on a 4 sons avec la présence de The Weeknd. Ouais, alors The Weeknd, de toute façon, il coproduit l'album. D'accord. Moi, je ne l'ai pas encore écouté, mais apparemment, c'est très électronique et expérimental. Après, c'est un peu... comme tous les albums instrumentaux de beatmaker américain, c'est toujours expérimental. Oui, de ouf. Genre, c'est pas comme Metro, parce que Metro, il sort des albums de producteurs, mais avec des rappeurs dessus. Ouais, ouais. Mais quand les beatmakers US sortent des albums avec que des instrus, c'est tout le temps expérimental, parce que bon, genre là, ils se font totalement plaisir et tout. Mais et c'est intéressant. C'est intéressant d'aller écouter. En plus, bon, Mike Dean bosse beaucoup avec The Weeknd en ce moment. Mm-hmm. Il peut nous donner peut-être quelques pistes sur le troisième volet de la trilogie. Tu connais les morceaux sur lesquels il y a The Weeknd? Alors, ou pas? Je crois savoir. Il y a Artificial Intelligence, More Coke. More Coke? Ouais. Ok. Ah, bah l'intro. Donc Once Upon the Time, Artificial Intelligence, Defame Moi et More Coke. Voilà. Ok, donc les 4 premiers morceaux. Ah ouais, bah du coup Once c'est ça. Once Upon a Time, ouais. Intelligence Artificielle, ouais. Défame Moi, Morco. Bon, bah, voilà, nickel. Ok. Bon, ouais, ça commence. Bon, bah c'est parti, on va s'écouter les morceaux, les 4 premiers morceaux du nouvel album de Mike Dean, 423. Let's fucking go. Let's go. Once upon a time, in a land not far away, many thought this would be the future of creative arts. Gathered together to prove that humans were still the masters of it. The people loved how the music and art spoke to the human experience, the human touch. Alors, juste là, là il faut en parler. L'intelligence artificielle, ah oui, l'intelligence artificielle et la musique. Du coup là, en gros, ce que la voix robotique dit, c'est que genre en gros t'as des intelligences artificielles qui créent de la musique et de l'art. Que c'est parfait, mais qu'en gros, ça il manque la profondeur, la sensibilité et le côté touchant en fait que l'art humain réussit à faire transparaître. Et qu'en gros, les machines n'arriveront jamais à réussir à transmettre tout ça parce qu'en fait, les humains, quand ils créent de l'art, ça vient de leurs émotions, ça vient de leur expérience, ça vient de leurs ressentis, tout ce qu'une machine bah, n'a pas réellement, tu vois. Et du coup, toi, tu penses quoi récemment là, de tous ces morceaux faits avec des intelligences artificielles bah, génératives, que ça soit en utilisant la voix ouais, c'est incroyable. Là, récemment, tu as Timbaland qui a fait un morceau avec Big, en utilisant la voix de Big, et il l'a fait poser sur une de ses prods. Moi, je pense qu'il y a des points positifs, si je parle uniquement pour la musique. Parce que ouais, parlons pour la musique, vas-y.
Mais uniquement pour la musique, je pense qu'il y a vraiment des points positifs à utiliser une IA. Parce que, voilà, on a des artistes qui sont partis trop tôt. Je pense à Tupac, Biggie, Big L. Tous ces artistes-là, à un moment donné, leur catalogue, il s'épuise. On n'a plus de couplets d'eux, de vocales, quoi. Ou alors on les a entendus, réentendus sur les albums posthumes et tout. Donc du coup, ça nous permettrait de créer, grâce à des IA, des couplets inédits. Et donc du coup, d'être créatif avec ces trucs-là, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, un couplet IA de Tupac sur un album de Kendrick Lamar, tu vois, ça peut être stylé, tu vois. Si c'est bien mis en musique, franchement, ça peut être cool. Mais là où c'est un peu, là où il y a un risque, c'est d'en abuser et en fait de sortir de la musique uniquement sous IA, ou même un artiste est carrément, en fait l'artiste c'est une IA, tu vois, et du coup bah y a plus de réel en fait. Et il faut trouver le juste milieu. Je pense qu'en termes de création, ça peut être très intéressant, mais il faut bien doser. C'est comme avec tout, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est très bien pour créer. Ça peut être très bien pour connecter avec les gens, mais si t'en abuses, ben, ça peut être très merdique aussi. Moi, sur le principe, ça me pose un gros problème. Ok. Ça me pose un gros problème par rapport à l'utilisation de la voix d'une personne décédée dont tu ne sais pas du tout. Si elle aurait accepté ou non. Tu vois, peut-être que Biggie. Ouais, mais du coup, c'est sa voix, ça lui appartient. Mais est-ce que Biggie, il voulait qu'on sorte, je sais pas, l'album là, Biggie j'avais, Duet? voilà, Biggie Ok. Duet. Est-ce que tu penses qu'il voulait qu'on Ouais. l'utilise par exemple sur Nastigirl? Je pense Bah, pas. justement, c'est des choses qui. Vu là où on arrive, je re-questionne ce genre de choses aussi, tu vois. Moi, je suis pas figé sur. J'avais un avis à Tu l'époque. comptes pas sur ton avis. Exactement, mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas qu'on allait arriver à ça, tu vois. Donc moi, en fait, là, on est en train d'arriver avec les intelligences artificielles et leur utilisation pour les artistes, me fait un peu repenser, de toute façon, tout le caractère posthume d'un artiste qui, sur des morceaux sur lesquels il n'a vraiment pas eu son empreinte. En psy, c'est des morceaux finis ou des morceaux quasiment finis. Il avait choisi la prod, il avait choisi le refrain et tout. Life After Death. Et voilà, par exemple, ça, pour moi, ça ne me poserait pas de soucis parce que c'est en gros finir ce qu'il n'a pas eu le temps de finir et ce qu'il aurait voulu finir. Mais venir, et je trouve que là, c'est encore plus loin parce que Nasty Girl, ça reste la voix de Biggie comme lui l'a voulu Ah l'utiliser, oui. comme il a voulu poser, et c'est lui qui a choisi les paroles. Là, en fait, tu mets des paroles, un flow sur la voix d'une personne, tu sais pas s'il l'avait voulu. Il aurait voulu, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est un problème un peu de morale et d'éthique. Mais après, pour rendre hommage, ça peut être très beau aussi, hein. Tu vois, même quand Kendrick il utilise la voix de Tupac sur Ouais. Mortal Man, en utilisant tu sais, Ouais, des enregistrements les d'une interview. enregistrements d'une interview. Mec, Et ça, je trouve que ça rentrait trop bien en ça fait rentre avec bien. Pourquoi? Ouais, mais le pourquoi? Parce que concept. c'est utiliser quelque chose que l'artiste a déjà fait pour dans un propos qui va dans son sens. Là, tu vois, Là, c'est créé. là, c'est vraiment ouais, C'est de créé. zéro, tu utilises la voix de quelqu'un et tu le fais aller sur quelque chose, tu sais pas s'il aurait voulu. Mec, ça se trouve, il aurait pas voulu Mais moi, bosser avec Timbaland, tu vois. pour le coup, je trouve vraiment qu'il y a quand même, on entend la différence. Oui, pour l'instant, mais t'inquiète pas, gros, que bientôt on ne pourra plus Pour la l'instant, il n'y différence, aura plus la gros. Gros, différence. c'est comme les photos qu'on a vues de Macron, du pape et tout. Ah oui, c'est C'est choquant, choquant. Après, quand tu zoomes, tu vois les mains et tout, mais hein. mec, regarde en Ça se un an ce que les perfectionne, hein. intelligences artificielles, Ah oui, ça se elles ont réussi à faire perfectionne. en un an. Mais gros, dans 5-10 ans, on ne saura même pas quand un artiste va sortir un album, si c'est vraiment lui ou s'il n'est pas Ouais. passé par une intelligence Par contre, c'est artificielle, ça. gros. Là, ça peut être le risque, c'est qu'en fait, un artiste utilise une IA en fait pour faire son travail. Et je vais te dire, dans un certain domaine, c'est déjà utilisé. J'écoutais un podcast Ah putain. Bref, je sais plus. Du CEIPi, bref, le Centre européen d'intelligence, de la propriété intellectuelle et tout. Et ils font en fait des podcasts, donc c'est sur la propriété intellectuelle en général, et en lien avec d'autres thèmes. Et du coup, là, il y a eu des podcasts sur l'intelligence artificielle, et il y a eu un épisode sur le monde de la BD. Et en gros, ça te disait que tu as des illustrateurs
donc qui font les couvertures des BD. Donc celui, tu vois, en gros, t'as ta BD qui est déjà dessinée et tu vas contacter un mec juste pour faire la couverture. Et en fait, t'as des illustrateurs qui sont très mal payés dans ce domaine-là. D'accord. Et du coup, qui sont en mode, bah maintenant, ouais, quand on va me soumettre un contrat hyper mal payé, je vais faire une IA. C'est une IA qui fera. Donc il y a ça, déjà. Et deuxième chose, des illustrateurs disaient qu'ils avaient, sur l'année 2022, qu'ils avaient perdu 15 à 20% de contrats par rapport aux autres années parce que les éditeurs font appel à des IA pour faire leur travail. Bah oui, ils vont remplacer leur travail. Non mais oui. Donc il y a déjà des artistes qui utilisent ça. Je pense que dans des secteurs, ça peut être très intéressant et dans d'autres, très, très risqué et très menaçant. Et du coup, c'est intéressant d'entendre ça dans l'introduction de l'album de Mike Dean où on dit l'IA peut faire quelque chose de parfait techniquement, mais il manque ce truc humain. Bah, il manque le cœur, quoi. Mais il manque le cœur. Et aussi, ce qu'il faut savoir, faut pas oublier qu'une intelligence artificielle, elle crée pour l'instant pas à partir de rien. Genre, je veux dire, quand tu vas sur, par exemple, l'intelligence artificielle utilisée pour créer des images, la Midjourney, et tu lui demandes de faire des images, elle va créer en partant d'une banque de données qui est déjà le travail d'être humain, tu vois, faut pas oublier. Qui existe déjà. Donc n'oubliez pas que l'être humain reste quand même à la base de tout. C'est pas une totale créativité. Et j'espère pour l'instant, quand même encore assez longtemps, parce que bientôt, mec, il y a beaucoup de gens qui vont devoir faire des reconversions professionnelles. On va se faire remplacer là. Les premières écoutes, ça se fait. Non, t'imagines. Mec. Nous en robot, bizarre, hein. Ouais. On avance. Vas-y. Bah du coup, Artificial Intelligence, deuxième morceau. Et on n'a pas entendu. Ah non, on n'a pas entendu le week-end. À part si c'était lui la voix. Hein. Ah peut-être. C'est une expérience. Oh, c'est incroyable. Gros, j'avais l'impression que c'était la suite de My Dear Melancholy. Avec ses sirènes là. Oui, c'est vrai. Et les, oui, et sa voix qui est dans le fond. Tu vois, on dirait il crie, il est à l'agonie un peu. C'est incroyable. Ouais. Mec, à un moment, on entend l'autotune carrément. Oui. Tellement sa voix elle est dans les aigus de ouf. Et ça faisait trop beau. Genre, on aurait dit vraiment. En fait, on aurait dit The Weeknd qui se transforme en robot, frère. On est en intelligence artificielle. Oh, c'était quoi ce son? Non, franchement, lourd de ouf. Ouais, c'était urgent. C'était intense. La voix de The Weeknd est vraiment exceptionnelle. Putain, mais mec, c'est quoi les... En fait, c'est quoi les limites de ce type-là, quoi? Quelles sont les limites de cet artiste? C'est ouf, jusqu'à en tirer sa voix, jusqu'à l'agonie, comme t'as dit, et... Je sais pas, se transformer en robot, je sais pas. Et les, putain, la prod, elle mixe de ouf. C'est synthé. Mec, c'est synthé. C'est synthé salace comme bon, j'aime. Bon, ça répond à la question que j'allais te poser. C'est une voix que tu vois pour The Weeknd sur la troisième volet de la trilogie. Ah ouais. Ouais. Ah, je te dis, c'est un My Dear Melancholy 2 là. C'est l'ambiance que je me fais de My Dear Melancholy. Mais en plus électronique quand même. Bah, My Dear Melancholy était très électronique avec Geza Feldstein et tout. Ah mec, c'était incroyable. Putain, je m'attendais pas à un son pareil en fait. Bon bah voilà, du coup. On y va. Allez. Prochain morceau, Defame Moi. Leave me alone. Okay.
Man, c'était quoi ça? Ça c'était bah la suite. Ça me l'a rappelé. Et là y'a plus d'un film d'animation dans l'espace, c'était incroyable. Mais ça fait tellement voyager dans l'espace. En vrai, j'avais écouté ces albums précédents là, mm-hmm. Instru et tout. Il est trop loin, enfin. il est vraiment très très fort. Mais là, en fait, j'avais la voix de The Weeknd perpétuellement, tu vois, en tête. Avec la prod là, je me dis, mais en fait, les deux, tu les mets dans un studio, tu les enfermes 2 mois, tu vois ce qu'il en ressort. Bah, je pense, à mon avis, de toute façon, on va voir avec l'album. C'est incroyable. Alors, pour revenir aux 4 sons qu'on a entendus, on a bon, plus 3 sons du coup, mais bon, vu que l'intro, ça quand même contextualise bien le style, ça contextualise aussi l'histoire. Mec, en vrai, The Weeknd. Je crois qu'on n'est pas prêt pour le dernier album, là. Enfin, le prochain. En fait, je pense qu'il va être plus expérimental que ce qu'on a entendu auparavant. Et moi, je serais vraiment pas contre un Jesus, en fait. Tu sais, là où il prend un risque de malade, sur chaque track, il va essayer des choses totalement différentes et nous laisser sur le cul. Et je veux un album clivant, en fait, je crois. Moi je pense qu'il sera clivant, après il y aura quand même des morceaux porteurs parce que ça reste le plus gros artiste, c'est pop. Donc à mon avis il va faire en sorte quand même de raccrocher les gens au moins sur les singles. Tu veux vraiment? Moi ça me dérangerait pas, franchement qu'il y ait des trucs un peu... Après tant que ça rentre dans l'atmosphère de l'album, moi ça me dérange pas qu'il y ait un ou deux morceaux qui soient entre guillemets faciles d'écoute. Et que le reste, ça soit genre expérimental. Parce que le truc, c'est qu'on s'est quand même mangé 2 albums avec une facilité d'écoute déconcertante. Don FM, les gens le trouvent moins facile d'écoute qu'After Hours. Hein. C'est faux. Le mec, Don FM est beaucoup plus simple d'écoute, il est beaucoup plus fluide et tout, il est beaucoup moins deep que After Hours. Mais After Hours aussi, on a des Blinding Lights, In Your Eyes, des choses qui s'écoutent super facilement. Moi, je... En vrai, il nous a donné 2 albums là où il y a voilà, des singles raccrocheurs, etc. Mec, en vrai, pour le dernier, en plus, il doit s'appeler Afterlife. Mec, c'est l'inconnu. Hein. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je pense pas qu'il va faire. Qu'il va pas faire un single au moins accrocheur, tu vois. Bah, s'il le fait pas là, c'est dommage, quoi. Parce qu'il faut vraiment. Après, ça, pour moi, faut ça imposer. Posera, ouais, mais pour moi, ça posera pas de problème pour l'album. Moi, ça me dérange pas qu'un single réussisse à parler à un public large sans desservir la qualité de l'album et l'atmosphère de l'album qui, elle, serait beaucoup plus expérimentale. Personnellement, ça me dérange pas, tu vois. Mais regarde, tu vois, Jesus, par exemple, New Slaves. S'écoute, hein. C'était ouais. Pas franchement quand c'est sorti à l'époque on n'était pas là. Oui on pense pas qu'il juste allait être ce que ça allait être derrière, tu vois. Oui voilà, donc tu peux, tu vois, c'était un juste milieu. C'est pour ça. Oui bah. Mais en vrai, est-ce que c'est pas le moment de sortir ce genre d'album pour lui? Bah vu qu'il a plus rien à prouver et que les chiffres seront là quoi qu'il arrive. Et puis il est au pic de sa créativité. Je veux dire bon là t'entends les sons là?
Ah bah, mais c'est avec Mike Dean, oui. Hein. Je l'ai jamais entendu comme ça. Hein. Le deuxième et le troisième son, c'est n'importe quoi. Donc, mais de toute façon, on avait vu des stories, il enregistre avec des aliens et tout. Mec, allons-y, hein. Vraiment, allons-y, hein. Ah non, ça me dérange pas du tout. On va prendre la navette, on va y aller, on sait pas où on va, mais on y va. Mais ça se trouve, il va sortir un quatrième chef-d'œuvre d'affilée. Hein. Ouais, avec My Dear Melancholy. Ah oui, bah, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, Star Wars, c'est un chef-d'œuvre, Don FM est un chef-d'œuvre. Starboy. C'est pas un chef-d'œuvre. Arrête C'est pas un chef-d'œuvre, gros. Non, bon, Starboy n'est pas un chef-d'œuvre. C'est excellent, quand même. Moi, tu sais que je préfère Beauty. Manesse. Ouais, que Starboy. Moi, je préfère Trilogy. Mais bon, après, ça c'est autre chose. Bah oui, mais attends. Bah, je préfère After Hours et Don FM et My Dear que tout le reste. Voilà, donc. Mec, tu sais que je réécoute plus du tout ce qu'il faisait avant My Dear. Ah ouais? Ah ouais, moi je suis totalement. Ah ouais, t'as vraiment. Je suis totalement dans le The Weeknd. Le nouveau The Weeknd, en fait, tu vois. Bah, le pop star, quoi. Ouais. Le Michael Jackson. Le Weeknd prolongé, quoi. De coup. Je suis totalement là-dedans, gros. Mais ouais, mais gros, il y a une rupture avec ce qu'il faisait avant. Oui, et... oui. Non, mais c'est sûr. Et je pense que c'est parce que peut-être j'ai pas encore digéré. Non, mais il l'avait effleuré sur Starboy et sur les. Ouais, mais mec, vas-y, là, c'est un autre. C'est limite, c'est pas le même artiste, gros. Ouais. Surtout avec After Hours. À partir d'After Hours, c'est plus. Parce que, à partir d'After Hours, il n'appartient plus à ses fans. Mm. Tu vois. Ah. Pas mal cette phrase. Pas mal, tu l'as bien préparé, ça là. Gamberger. Mais alors, mais du coup, toi, t'as aimé là les tracks avec. Ah oui, j'ai kiffé. J'ai kiffé, et de toute façon, je m'attends à ce que ça soit très électronique. Moi, je pense qu'il va y avoir une suite chronologique. Tu vois, After Hours, c'était un peu 80. Don FM plus 90. Et je pense que Afterlife, ça sera les années 2000. Donc la musique très électronique. Bah, mec, oui, vas-y, y a pas de problème. Mais de toute façon, je pense qu'il peut tout faire. Là, quand il a même sorti un son latino, là. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, ah, c'était la folie, gros. C'est avec Rosalia, là. Non. Mais si. Non, pas avec Rosalia. Ah, Hawaii. Le morceau Hawaii. Hawaii, remix. Ah, il est incroyable. C'était incroyable. On peut faire de la teenage pop aussi, là. On l'avait vu sur Don FM. Ouais. Less Than Zero. Il peut tout faire. Donc, fais de la musique électronique. Vas-y, let's go. Puis, c'est sûr, pour avoir des prods comme ça, qui défilent pendant 2 minutes à la fin qu'il est fini de chanter. Non, mais oui. Mais la dernière prod, là, on l'a pas entendue. Mais que c'est album matériel. Ah bah oui, ah oui, clairement. Putain, il doit dormir sur des trucs quand même, Mike Dean. Parce que Mike Dean, en vrai, c'est un alien. Ah, c'est un alien aussi. Hein. Bon bah, de toute façon, bah, je vais m'écouter ça. Hein. Bah oui. Hein. La continuité du truc. Hein. C'est qui sur la pochette? Mais c'est lui. Ah, c'est lui. À l'ancienne. Avec le mulet. C'est voisin. Ouais. Les années 70. Hein. Putain. Bon bah écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de ces quelques morceaux issus du nouvel album de Mike Dean. Putain, ça, du coup là je pense au concert de The Weeknd. Ça va être fou, Stade de France. Ah oui. Putain, le 29. Ouais, le 29. Et il a rajouté une date le 30, c'est ça? Ouais. Putain. Voilà. Hein. Le carré or est sécurisé d'ailleurs. Ouais, moi je suis en catégorie 1. C'est pas grave. C'est pas grave, on va le voir quand même. Bon. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces morceaux, ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont Amigo1 sur Twitter et Amigo sur Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.